Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau livre de Maureen Dorr et Anne Wilsdorf, Ratibor à Tribord, des éditions Clochette. Je vais vous lire quelques extraits. Ratibor, le rat des coups, vit sous la ville, au milieu des détritus et des crottes. Il fait sombre et froid dans les égouts, et le soleil ne montre que très rarement son nez à travers les soupiraux. Mais cela ne dérange pas les rats de la famille de Ratibor. Papa, Para, son père, est le meilleur dénicheur de légumes frais au milieu d'aliments pourris. Moira, sa mère, vous arrange un trou à rats avec deux peluches de bananes et trois sacs plastiques. Au même moment, un grand bruit de chasse d'eau se fait entendre dans le canal principal de l'égout et une seconde plus tard, un énorme vague pénètre dans le trou de Ratibor et emporte tout sur son passage, dont le livre de Rastapouekwek qui vient taper l'œil de son copain. « Ouï ! Mon œil ! Je vois plus rien !» crie Ratibor. « Où es-tu, Rastakoukouker ?» Donc, tu le comprends, ce petit rat va... Il va lui arriver une grande aventure. Au milieu des égouts, avec d'autres bestioles, et enfin, il va monter à dos d'un crocodile. Mais où va-t-il? Quels sont les rêves de ce petit Ratibor? Oh! Non, je vous dis pas tout. Une histoire rigolote, joliment illustrée, avec un texte simple à comprendre à partir de 3 ans. Alors, je vous raconte pas tout, puisque ce petit rat a un rêve secret, et si je vous le dévoile, ça va pas aller. En tout cas, moi je vous le conseille ce livre, un très joli livre des éditions Clochette, et je vous souhaite une bonne histoire du soir. Bonne nuit.